Bonjour et bienvenue à Monaco. C'est avec une immense joie que nous ouvrons cette 24e édition des Assises. La joie qui nous est restée dans le cœur et dans les tripes après cet été de JO, de succès, de record. 45 disciplines, 64 médailles pour la France, plein d'athlètes accueillis, des records de tickets de vente. C'est important aussi. Mais aujourd'hui, c'est d'un autre record que je voudrais vous montrer. 548 événements de cybersécurité. Je ne veux pas spoiler Vincent, parce que c'est un job. 548 et uniquement 83 incidents. J'arrête de spoiler, ce n'est pas mon job, encore une fois. Je ne vais pas analyser les chiffres, mais moi, je voudrais parler de vous. Parce que ces chiffres, c'est vous qui les avez faits. Vous avez travaillé pendant des mois et des mois de préparation. Vous avez tenu tout le long de l'année. Je sais que certains parmi nous n'ont même pas pris de vacances après les JO. Ils ont enchaîné avec la préparation du déplacement à Monaco. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'on prenne une minute pour vous applaudir. Et pour cette rentrée, mon vœu, mon souhait pour vous, c'est de garder l'élan de cette joie. Parce que la rentrée est là et parce que les défis sont là encore plus complexes. Sans être rabat-joie, mais il faut regarder la réalité en face. Les défis sont là. Tout d'abord avec le contexte géopolitique, les tensions internationales qui montent et atteignent leur comble. Notre planète s'embrase et le cyberespace avec. Deuxièmement, nos enjeux économiques. Après 3 mois sans gouvernement, la visibilité sur les investissements, avouons-le, elle est assez limitée. Et, bien évidemment, le contexte de la cybercriminalité qui se complexifie de plus en plus. L'IA a ouvert la boîte de Pandore à nos attaquants et on a l'explosion des fraudes, des deepfakes, des attaques au président. Et bien évidemment, le ransomware, ils sont toujours là pour nous tenir réveillés. Mais parce que ces défis sont là, nous devons avoir l'ambition de porter les sujets de cybersécurité plus loin. Avoir cet élan d'énergie, la joie, l'élan qu'on a gardé des jeux, elle doit nous permettre de projeter plus loin les sujets de cybersécurité. Les porter, avoir cette ambition auprès de notre société, auprès de nos organisations. Parce que nos dirigeants ont besoin de votre travail, ont besoin de vous et de votre ambition. Et les métiers aussi, et les collaborateurs aussi. Toute la société en a besoin. Et pour ce travail collectif et d'ambition, on va démarrer ici, à Monaco. Parce qu'ici, à Monaco, vous avez 176 parmi les meilleurs offreurs de solutions. On a 1500 invités. Et vous avez déjà atteint les chiffres records de programmation de rendez-vous. On a dépassé les scores. Donc, promettez-moi de garder la pêche et d'aller chercher l'ambition ensemble. Je vous ai dit bienvenue à Monaco. Bienvenue dans cette splendide destination qui nous accueille maintenant depuis 20 ans. Et j'ai le plaisir d'inviter en scène Son Excellence, Monsieur Guillaume, ministre d'État de la Principauté de Monaco. Mesdames et messieurs,
en vos divers grades et qualités. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la destination Monaco pour ces 24e assises. Ce n'est pas la première fois et la principauté, son prince souverain, les autorités politiques et administratives sont très heureux, très heureuses de vous accueillir ici même pour un sujet très important. Ça va être rappelé par l'interlocutrice précédente. Je voudrais vous saluer toutes et tous, saluer le directeur de l'agence Monégasque et vous dire que c'est vraiment un grand honneur pour moi, au nom du gouvernement princier, de prendre la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de l'ouverture de vos assises, qui sont devenues, si j'ai bien compris, un rendez-vous incontournable pour toutes celles et tous ceux qui n'ont même pas pris de vacances après les Jeux Olympiques, et un rendez-vous incontournable parce que vous avez, nous avons, mais c'est vous, les celles et ceux qui sont au quotidien, tellement de défis à relever, des défis cruciaux qui sont posés par que pose la cybersécurité et la protection, évidemment, de nos infrastructures numériques. La principauté, je vous le disais, est très heureuse de vous accueillir et d'accueillir aujourd'hui plusieurs milliers de personnes là. J'ai vu qu'il y avait plus de 11 000 rendez-vous. Tout ça va dans le bon sens, dans le sens de la transparence, dans le sens de la transversalité, d'échanger les bonnes pratiques peut-être et d'essayer pendant 3 jours d'arriver à avancer toujours plus et à upgrader le niveau de défense, à la fois en cybersécurité et pour les technologies associées. Je crois que vous toutes et vous tous, les partenaires, près de 200 partenaires et acteurs de la sécurité numérique, vous êtes présents aux côtés d'entreprises, de start-up, de PME, de grands groupes industriels français, que je remercie, européens, nord-américains du Moyen-Orient ou d'Asie, bref, dont certaines interviennent déjà en principauté. Nous sommes ici persuadés de l'importance de ces échanges, car dans un contexte global, et c'est un lieu commun de dire ça, surtout devant vous, les spécialistes, dans un contexte global marqué par une croissance exponentielle des cybermenaces, aucune nation, aucun secteur d'activité, aucun acteur, qu'il soit public ou privé, ne peut se prémunir seul des risques que ces défis impliquent. Alors j'aime beaucoup poser cette question, soit à notre directeur monégasque, soit à l'instant au directeur de l'ANSSI, que je veux saluer. Est-ce que nous courons toujours derrière ou est-ce que parfois nous sommes capables de courir devant et de précéder? C'est ça, nous, les responsables politiques, ce qui nous importe beaucoup. Et je voudrais vraiment, en tout cas, ça a été évoqué tout à l'heure, mais par rapport aux Jeux Olympiques, et merci encore d'avoir fait la démonstration que nous étions capables, que vous étiez capables d'être proactifs, d'être devant. Et comme les Jeux Olympiques, c'est du sport, vous avez couru devant et vous avez gagné, vous, la médaille de la sécurité. Et bravo, et un grand bravo et merci. Parce que, évidemment, il vaut mieux avoir un coup d'avance qu'un coup de retard. Mais même lorsqu'on n'a pas un coup d'avance, ce que j'ai appris en lisant et en regardant ce que vous faites, c'est que vous rattrapez toujours. C'est ça l'essentiel pour l'instant, pourvu que ça tienne, évidemment. Mais vous êtes toutes et tous là, pour faire en sorte justement que ça tienne. Parce que ça a été dit avant moi, l'évolution des relations internationales, évidemment, cette période troublée, cette planète qui ne va pas très bien tous les jours, a accéléré la consolidation de blocs d'influence, a accéléré tout un tas de groupes, qu'ils soient étatiques, pas étatiques, privés, qui sont toujours prêts à faire le mal. Il y a les criminels, les hackers, les structures, et c'est cela tout le travail que vous menez. Les campagnes de rançongiciel ne sont pas amoindries depuis l'année dernière et continuent de faire des victimes. Mais heureusement que vous êtes là, dans le secteur privé, ces victimes, comme dans le secteur public, avec l'apparition de nouveaux groupes cybercriminels ou de nouveaux affiliés. C'est pourquoi, et je tiens à le souligner devant vous, mesdames et messieurs, cet après-midi, nous pouvons nous réjouir que dans le sillage de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, qui est entrée en vigueur, vous le savez mieux que quiconque, en 2004, et déjà ratifiée par 75 pays, dont Monaco, qui l'a également ratifié, la Convention des États-Unis, qui vise à combattre plus efficacement cette cybercriminalité et à renforcer la coopération internationale en la matière, ait été approuvée le 8 août 2024.
si je fais un parallèle, c'est le jour de la clôture des Jeux Olympiques. Gardons la métaphore sur le sport. C'est un pas en avant supplémentaire, même si ce texte devra encore être soumis à l'Assemblée générale pour son adoption formelle, puis être ratifié par 40 États pour que sa mise en œuvre soit effective. Dans cet environnement incertain que j'évoquais à l'instant, affirmer sans cesse qu'il faut renforcer la sécurité des systèmes d'information reviendrait presque à enfoncer une porte ouverte. Or, nous ne sommes pas là pour enfoncer des portes ouvertes, nous sommes là pour fermer des portes blindées. Pour autant, les trop nombreux incidents comptabilisés l'année écoulée nécessitent que les pouvoirs publics rappellent à leurs obligations les dirigeants d'entreprise, les dirigeants des services ou d'établissements publics qui sont amenés à manipuler des données à caractère personnel, pour certaines évidemment sensibles, tout en leur proposant des solutions pour les accompagner. C'est pourquoi à Monaco, nous essayons d'être toujours en avance. Je veux saluer, je disais tout à l'heure, le directeur de l'agence, les responsables de la police qui sont ici. À Monaco, la cybersécurité fait partie des objectifs stratégiques prioritaires. La principauté est un lieu sûr, le plus sûr possible, et nous souhaitons qu'en matière cyber, il en soit toujours ainsi. Nous avons d'ailleurs adopté en 2016 une législation pour garantir la protection des données et des infrastructures critiques de la principauté. L'année passée, nous avons fait évoluer notre cadre réglementaire par la transposition à l'identique des dispositions en vigueur en France comme en Europe pour élargir le périmètre d'application des règles de sécurité de nouveaux secteurs d'activité. Nous continuerons à enrichir ce corpus conformément au traité franco-monégasque du 24 octobre 2022 qui est destiné à adapter et confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la principauté de Monaco. Ces règles ont montré toute leur efficacité, monsieur le directeur, et le doute n'est évidemment plus permis aujourd'hui. Nous sommes donc conscients des efforts qui sont demandés aux structures concernées par ces évolutions, d'autant plus que l'activité économique de la principauté s'appuie principalement sur des TPE, plus de 3000 TPE, sur des PME, un petit millier de PME, et 24 ETI. C'est dire si la structure de nos entreprises correspond tout à fait au travail qu'il y a prioritairement à faire. C'est pourquoi le gouvernement monégasque fait évoluer le fonds bleu. Lancé en 2020 en période de crise économique, ce fonds a permis de rendre l'écosystème monégasque plus résilient et moderne en accélérant la transformation numérique des entreprises de la place. La première phase du dispositif a favorisé la continuité des activités économiques de la principauté et a participé à sa relance. Fort de ce succès et de l'impact du fonds bleu sur le développement de l'économie monégasque, notre gouvernement vient de confirmer l'intérêt de lancer une deuxième phase afin d'optimiser la transition numérique des entreprises, stimuler l'innovation et favoriser la sécurisation des données. Ainsi, dans le cadre du plan Monaco Santé Sécurité, dédié aux acteurs de la santé à Monaco, le fonds bleu a pour objectif de financer l'audit de sécurité des données de la santé et la résolution des questions relatives à la cybersécurité. Mais c'est bien grâce à vous, mesdames et messieurs, c'est bien grâce à votre travail et à nos efforts coordonnés que nous parviendrons à un cyberespace plus sûr. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons toutes et tous. Et je souhaite que ces assises soient une fois de plus l'occasion de tisser des liens, de renforcer notre résilience et de trouver ensemble des réponses aux menaces qui nous guettent. Je vous invite à profiter pleinement de ces échanges pour partager vos idées et vos expériences et garder à l'esprit que face à la cybermenace, la clé du succès réside dans le collectif. Mais je vous invite aussi à profiter pleinement de la principauté, de ses atours. Le climat n'est pas terrible aujourd'hui, mais je suppose que vous aurez l'occasion peut-être de sortir le soir et de profiter de l'accueil qui est réservé aux invités, l'accueil qui est réservé aux amis, l'accueil qui est réservé à celles et ceux qui viennent passer quelques heures ou quelques jours en principauté. Je vous remercie donc, mesdames et messieurs, et vous souhaite sincèrement des échanges fructueux et de très belles assises. Je vous remercie. Merci et surtout, merci à tous les membres de la Principauté et du Grimaldi Forum qui font un sacré travail pour nous accueillir tous les ans. Alors, chers amis,
Je vous propose maintenant un moment de prise de hauteur, un exemple, bel exemple de coopération à l'échelle internationale. On va switcher en anglais. So, ladies and gentlemen, please welcome on stage Phil Reitinger. Phil, welcome to Monaco first. Thank you very much, and it's an honor to be here. Tell us a bit more about yourself before we start discussing about the global alliance. Who you are? What's your background history? I know that you have been special counsel at the Department of Justice, cybercrime section. You will also be director of the National Cybersecurity Center of the Department of Homeland Security. Tell us a bit more. Well, the sad fact is if you are in this field for 30 years, which I have been, you have a lot of different jobs. So I've been honored to work for three different government agencies, the Department of Justice, the Department of Defense, and the Department of Homeland Security in the United States, two private sector companies, Microsoft and Sony. And for the last 9 years, I've been the executive director of the CEO and president of the Global Cyber Alliance, which is a global nonprofit that works to deliver cybersecurity at scale. So I've seen cybersecurity from the government side, the industry side, and the nonprofit side, which has been a great help to me. Whoa. Let's go back to the Global Alliance. It's in my understanding that it's a mission. It has been from its beginning, 2015, correct? Yes, ma'am. A cooperation model. Can you tell us a bit more about this cooperation model? So our focus is on solving cybersecurity problems at scale. And what we've discovered is that no one organization can do that. You know, any one of the problems that we're looking at takes a community. So our mission statement actually says that in it. We build communities to build technologies, software, services, and programs that solve cybersecurity problems for everyone around the world. And it takes an international coalition, it takes people from the private sector, NGOs, and governments all working together to solve the big problems. Because the little problems have already been solved, right? If one company can solve a problem, if one government can solve a problem, then it's already been solved or the work is underway to do it. We really focus on the problems that take everybody. And so that's why several different law enforcement agencies, the Manhattan District Attorney and the City of London Police, along with another nonprofit, the Center for Internet Security, established GCA back in 2015. Well, and how do you cooperate on a global scale? Because you've got the restriction, local restrictions with the directions, but at the same time, you need to have a global cooperation. How do you manage this difference between local and global? Well, you know, it's sort of interesting. There's no secret sauce to doing that. It really takes a lot of hard work, and it takes collaboration. It takes good partners. One of the things we found is that people really do want to work together. And so, you know, part of it is we're a global organization, so we have people who work for GCA in the United States, in Canada, in the UK, in Belgium, in Spain, and North Macedonia, and now the Netherlands as well. So, you know, we have people around the world. We have partners around the world. I had the pleasure, in the second row there is General Eric Frisonnet from the Gendarmerie Nationale, who I had the pleasure to meet when we were both much more junior people. I was at the Department of Justice, and he was he had a big forensics post at the Gendarmerie Nationale. And so, you know, we worked together at the G8 subgroup on tight tech crime back at the end of last millennium into the start of this millennium. That was a long time ago. But you build those relationships up, and you find the ways to work through the challenges that are presented by different places. So, you know, it's sort of like, yes, everything is global, but yes, everything is local. We tend to focus more on the scalable pieces that work globally, but we have to work with partners to get things done locally because that's where the changes happen, with the local touching of people. Mm. And concrete actions, 9 years
correct, concrete things that you can share with us? Oh, sure. We've done a lot of really interesting things. So let me just highlight a couple. A few years ago, we started the process of producing cybersecurity toolkits, right? The idea was that there was a lot of guidance out there for people on here's some guidelines to do to improve your cybersecurity. But for the people, particularly at the bottom of the expertise level, what Wendy Nather refers to as the cybersecurity or security poverty line, this is the vast majority of organizations that don't have the resources or capabilities to really do much in implementing cybersecurity. We wanted to give them something more than mere guidance, an actual set of tools. So sort of like a not only a cookbook for how to cook things, but the tools you need, the basic set of tools you need to get things done. So we've produced those now. We've produced a cybersecurity toolkit, especially for small business, that's now in 6 different languages and is in French. We worked with both the Gendarmerie Nationale and Cyber Malveillance to complete that. That's part of the partnerships. And that toolkit will soon, and we'll do an announcement when it happens, that set of toolkits are going to reach 2 million, touching 2 million people relatively soon. Another thing I'd quickly call out, I don't know if people in the audience have heard of Quad9, but Quad9 is a protective DNS infrastructure. And I know you're a very technical audience, so I apologize if I'm speaking down to anyone, but protective DNS infrastructures are when you put threat data in DNS, in the domain name system, so that if your system makes a call out, it tries to look up a malicious website, the domain name service actually doesn't give you the address of it, doesn't give you the IP address. So you don't go to it, and it can provide really enterprise-level security instantly and at a in a free way. There are great services like Cloudflare's 1.1.1.1 to do it. And a few years ago, working with the Packet Clearinghouse, we established a service called Quad9, which is Quad9 because it operates on 9.9.9.9. And it takes 30 seconds to install on your computer, gives you enterprise class protection, and it protects literally millions upon millions of people every day, blocking hundreds of millions of accesses to malicious website transparently with no further work from people. And most importantly, going towards being global, right, it was built from the ground up to be GDPR compliant. Mm. And the way it does that is it does not keep any transactional data, any data, metadata about who calls out to malicious websites. All of that data is anonymized and never written to disk, so no one can ever get the data. Your privacy is secure when you use a service like Quad9. So we spun that off years ago, and it actually now operates as an independent nonprofit out of Switzerland. So now let's go back to France. You've got the best of the best of the French cybersecurity community. What do you want from them? What are the questions that would like to ask? So expectations. Here's a question I ask of everybody, not just people in France or the United States or really anywhere around the world. This goes back to something Eric and I did many years ago. So in May of 2000, there was a G8 conference on cybercrime that was hosted by France in Paris, often called the Paris Conference. It was the first of the cyber Paris conferences back then. And the welcoming speech was given by the French president, Jacques Chirac. By the way, for those of you who don't know, the very first time a head of state ever gave a speech about cybersecurity, it wasn't Bill Clinton, wasn't anybody from the UK, it was Jacques Chirac in France in May of 2000. The very first ever. And what he talked about was the rule of law on the internet and how what we had to avoid was the law of the strongest, right? Where successful, powerful organizations and criminal organizations can basically do what they want, and everybody else is left to fend for themselves. Sadly, the law of the strongest is what we have on the internet right now. And that's, the minister said, can we run ahead? Yeah, we can run ahead, but we can run ahead in those places where they're devoted huge amounts of resources to things or very well-protected organizations, like the Olympics,
like the biggest companies, especially the biggest banks, some of whom devote far more resources to this problem than most national governments do. What we have to worry about is the common good in cyber, what everybody else does. How do we protect the infrastructure itself, the services like Quad9, like FIRST, the Forum of Incident Response and Security Teams that ties together incident response organizations around the world, and the organizations that specifically work with those who have been left behind, you know, like the Cyber Peace Institute out of Switzerland, and now the Netherlands too. So I'd ask people in France, companies in France, what can you do to contribute to the common good? You know, what can you do as a part of the social effort around cybersecurity so it's not just the law of the strongest, so that, you know, small businesses are not left behind and are, you know, completely at risk to ransomware and spyware and attacks like that. Individuals, people in also in third countries, what can you do? And that doesn't mean money. Now, look, I love money, right? Everybody wants resources. I'd love it if you'd contribute money to GCA or Common Good Cyber and other organizations. But there are lots of ways to contribute. Expertise. The Cyber Peace Institute has a program called Cyber Peace Builders, where companies contribute experts that specifically work with other nonprofits, like hospitals and other organizations, to help secure them. We need help in communications, you know, getting the word out there, helping people to understand what they can do. Little example, we, through Nonprofit Cyber, which is an organization of cyber nonprofits, produced the first ever common guidance on authentication, common guidance on passwords, in November of last year. We had 90 organizations from 20 countries sign up to it. We're going to do a new version, right? We'd like to get that out there. This is guidance less than a little over a page that's specifically designed for consumer organizations. The more you can help us get the word out and let people know the simple steps they can do to secure themselves, the better. Vous avez compris, hein? So, plans, future, expectation towards what, 2025, what are your wishes? Well, I often say, and this also goes to the minister's comments, there's one prediction I've been able to make every year I've been in cybersecurity, and that is next year things will be worse. And that's not to say our technology isn't better. All the people in this room can tell you our technology is getting a lot better. Right? It's not to say we're not developing expertise, but the threats continue to outpace our ability to defend the entire ecosystem and all the people who connect to it. And that delta, that difference, has gotten worse every year. So what I'm looking forward to, the big piece of this that I'm looking forward to, is actually trying to get ahead of that, building out not only the technologies that we've got to be more secure on an organization-by-organization basis, but we really build out the collaboration means to work together to protect everybody. Again, the social good, the common good of everybody connected to the internet. I'm specifically looking, I will briefly say, since I spent some time in law enforcement, continuing to build out the capabilities of law enforcement so that they can catch the worst of the bad actors and bring them to bear. That's actually not going to be as effective as it needs to be until we can secure the ecosystem on a basic level. But we need, it really takes a village, but the village is a large village. We need this broad collaboration. The other thing I'm specifically looking to get a lot of additional traction behind is earlier this year, GCA and 6 other nonprofits launched a new initiative specifically to try and resource the organizations that work on behalf of the common good in cybersecurity. So organizations like Shadow Server, the Forum of Incident Response and Security Teams, the Cyber Peace Institute, the Institute for Security and Technology, the Cyber Threat Alliance, and the Global Forum on Cyber Expertise. So total of 7 organizations are leading the work, but it's on behalf of everybody. And of those organizations, sort of, I would say, 4 are US-based and 3 are European-based. So it's a global collaboration from the start. We're trying to move forward to find
mechanisms that will enable that common good to be protected by everyone, both by contributing resources, building things like a joint fund, sourcing, providing capabilities to the people who build the internet, those open source developers, or other people who write the core pieces of the infrastructure that everything relies on. And so I know at the end of this talk, we're going to have a chance to show a video that we recently produced in Common Good Cyber that talks about this problem. I will apologize in advance that the voiceover is still in English because we just did this a week ago. But it's subtitled. But we have it subtitled in French, and you know, as we continue to get some more resources, we're going to have it the voiceover done in French and I think a lot of other languages. Our cybersecurity toolkit for small business, which is at gcatoolkit.org, right? That's available in 6 languages: English, French, Spanish, German, Bahasan, and now Portuguese. So, let's have a look. Yes. Let's have a look. The internet is a wonderland. It's the public square, the launchpad of new industries, the gleaming architecture of the modern world. But it's not magic. If you look closer, certain parts are solid, but others are built on a house of cards, held together with duct tape. Software stacked on software, built on open source code, propped up by legions of unsung heroes. Like the nonprofit that protects millions of users from malicious websites and online threats, or the small team that maintains the software that secures as many as 2/3 of all encrypted internet connections. These people, and so many others, are passionate experts whose contributions keep the internet running smoothly. But without long-term financial support, they won't always be there, straining under the workload. And we won't realize how pivotal their contributions were until our screens go dark. The same interdependency that feels like magic could bring it all crashing down. We deserve a mature internet, a secure internet with a solid foundation, code, tools, standards, libraries. These are critical components built largely by invisible hands who make it all work. An ecosystem of nonprofits that needs our support. That's why we created Common Good Cyber, a global initiative to foster collaboration and funding to do the job right. For everyone out there working tirelessly for the common good, join us in transforming this fragile system into a resilient, reliable infrastructure. Together, we can build a stronger internet and a better world. Common Good Cyber. Donate today. Last question. When do you leave from Monaco? When do you leave? Until when you stay with us? Unfortunately, I have to head back to my home tomorrow, so I'll be here all day. But today you are with us. Today I'll be here all day. If anybody comes up and wants a sticker, I actually have Common Good Cyber stickers, so I can hand them out to people. I'm happy to answer questions and talk to anyone who'd like to talk about the role that NGOs and organizations like the Global Cyber Alliance play in cybersecurity. Thank you so much, Phil. It was a pleasure to have you here today. Thank you. So, et maintenant, notre traditionnelle inauguration des assises par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Chères mesdames et messieurs, on applaudit Vincent Struvel. Toujours aussi impressionnant. Monsieur le ministre, chers partenaires, collègues et fondamentalement amis, chers organisateurs, un grand merci de nous réunir une fois de plus dans ce moment incontournable. Comme tous les ans, mais avec un contexte un peu particulier qui a été rappelé, celui de la page des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on vient de tourner, mais sur laquelle on a envie de s'attarder un tout petit peu.
donc je ne résisterai pas à en parler un peu. D'abord parce que c'était chouette, c'était un chouette moment. On aurait presque envie de faire ça tous les ans, presque. Ensuite, parce que ça n'arrive pas souvent quand même dans nos métiers de cybersécurité qu'on puisse revendiquer une victoire claire, non ambiguë. Et là, on est dans ce cas-là. Et puis parce que cette victoire, elle illustre parfaitement le thème des assises de cette année, ensemble. C'est une victoire d'un collectif qui est très largement représenté ici. Ces jeux, on le sait, ils se sont déroulés dans un contexte de menaces sans précédent. La superposition d'une menace stratégique, toujours plus agile, furtive, désinhibée, qui s'inscrit dans un contexte géopolitique qu'on connaît, et puis d'une menace systémique, celle de l'activisme, du ransomware, du crime organisé de manière générale, qui n'épargne plus personne. J'ai déjà largement parlé de cette menace ici, je ne vous referai pas un tableau complet, mais il y avait une chose qui était claire, c'est que cette menace, elle aurait un focus particulier sur les jeux. Donc pour y faire face, on a mené un travail de préparation intense pendant plusieurs années, et puis une vraie mobilisation sans précédent, je le crois, de toute l'équipe de France et même au-delà de la cybersécurité, des services de l'État, de l'ANSSI évidemment dans son rôle de chef d'orchestre, mais pas que, des organisateurs, de nos partenaires du secteur privé avec lesquels on travaille quotidiennement, mais avec lesquels on a plus travaillé que jamais, des relais de proximité que sont le réseau des CISERT par exemple, et puis de nos partenaires internationaux qui ont été d'un soutien sans faille, il faut le saluer aussi. Tout ça avec un objectif qui était, pour le résumer, de parler suffisamment de cybersécurité avant les Jeux pour en parler le moins possible, et idéalement pas du tout, pendant les Jeux. Et cet objectif-là, il a été rempli. Le collectif qu'on a rassemblé dans la préparation de ces Jeux, il a fait des miracles, franchement. À aucun moment, une cyberattaque n'est venue perturber ni le déroulement des Jeux, ni la confiance des innombrables délégations, spectateurs, du monde entier qu'on a accueilli et dont on assurait aussi la sécurité. Et ça, quelque part, c'est un test unique qu'on a réussi. Alors, on donne l'impression, vu de l'extérieur, qu'il ne s'est rien passé. On peut débattre sans fin sur les chiffres, sur les centaines ou les millions. Pas de meilleure conclusion que le fait qu'on ne sait pas compter les cyberattaques. Mais nous, on sait en tout cas qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé plein de choses. Il y avait des gens qui nous en voulaient vraiment, dans toutes les composantes de la menace. Ceux qui savent faire des cyberattaques, et ceux qui ne savent pas forcément, mais qui sont très bons communicants, et qui savent entretenir l'anxiété. Et on a réussi à faire face à tous ces types d'attaquants. Donc c'est l'occasion de vous adresser à mon tour un immense merci, un immense bravo, et de vous dire qu'on peut être fiers collectivement d'avoir apporté notre petite pierre dans notre ligne d'eau de la cybersécurité à cet événement assez exceptionnel. On aura sans doute quelques semaines de travail encore avant de distiller l'ensemble des leçons apprises pendant ces Jeux, mais moi j'en retiens surtout deux à ce stade. D'abord la force d'un collectif quand tout le monde est aligné vers un même but. Moi j'ai jamais vu autant de monde que cet été travailler ensemble, sans frontières, sans complications, sans psychotage, comme disent les militaires, quels que soient les statuts, quels que soient les employeurs, avec une efficacité incroyable. Et c'est ça qui a fait qu'on a bloqué la plupart des attaques très tôt. Ça a presque un côté frustrant d'ailleurs, parce que dans la plupart des cas, on ne sait même pas ce que voulait faire l'attaquant. On l'a bloqué trop tôt pour savoir son intention. Mais quelque part, c'est mieux comme ça. Puis la deuxième leçon, c'est quelque part un constat porteur d'espoir. C'est que aider des petites structures, celles pour lesquelles la cybersécurité n'est pas et ne sera jamais la priorité, eh bien c'est possible, ça marche, ça produit des résultats. On en a accompagné des centaines. Parmi les 500 et quelques entités qu'on a accompagnées dans la préparation des Jeux, il y avait une énorme majorité de PME, de fédérations sportives, de collectivités, de toutes petites structures, de manière générale. On les a aidés à déployer de l'hygiène numérique de base, des bonnes pratiques. On les a aidés à s'entraîner pour réagir vite et bien face aux cyberattaques. Et ça a marché. Ils ont été capables de faire face. Et donc ça veut dire que passer à l'échelle, parce que je suis d'accord, ça reflétera les discours précédents, notre défi principal, c'est toujours de passer à l'échelle, d'apporter de la cybersécurité à tout le reste de la société. Et bien ça, c'est à notre portée. Et donc ça nous inspirera forcément pour la suite. La suite, c'est évidemment deux chantiers majeurs qui vont nous mobiliser énormément dans les années à venir. C'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. NIS 2 et le CRA, le Cyber Resilience Act, deux textes européens. Quelques mots d'abord de NIS 2. Premièrement, pour essayer une fois de plus de corriger un quiproquo récurrent.
Le 17 octobre, ça arrive bientôt, il ne va pas se passer grand-chose de spécial, en tout cas dans le domaine de NIS 2. La directive NIS 2, elle ne va pas entrer magiquement en application en France. Pour ça, il faut une loi. Il faut la transposer en droit national. Et je ne pense pas vous surprendre beaucoup en vous disant que le projet de loi qui est prêt, il ne va pas être examiné et voté au Parlement d'ici le 17 octobre. Donc tout ça va reprendre dans les jours qui viennent. Ça n'a jamais vraiment arrêté, on a continué à y travailler tout l'été. Ça va reprendre dans le même esprit de co-construction, de pragmatisme, de recherche de proportionnalité qui nous anime depuis le début. Ça va reprendre sans précipitation, j'insiste là-dessus. D'abord parce qu'au-delà du parcours législatif, sur lequel j'ai pas la main évidemment, on a devant nous des mois encore de travail, de consultation, de construction sur le cadre réglementaire, sur les mesures techniques qui vont décliner tout ça. Et puis au-delà de cette construction du cadre, je l'ai dit et je le répète, on se donnera au moins 3 ans avant d'exiger une conformité complète au cadre une fois qu'il sera posé, avant d'envisager des sanctions pour les manquements. Donc pas de précipitation, mais pas de désinvolture pour autant. Déjà parce qu'on ne va pas forcément attendre 3 ans pour exiger certaines choses simples. L'enregistrement auprès de l'ANSSI, des entités régulées, via une plateforme qui s'appelle Mon Espace NIS 2, qui est déjà en ligne, en forme preview, et je vous invite à aller voir. La notification des incidents, ça c'est pas compliqué à mettre en place, donc on n'attendra pas 3 ans, et c'est important. Et puis au-delà de ça, 3 ans, ça passe très vite, et surtout quand il y a plein de choses à faire. Et parmi ce qu'il y a à faire, il y en a plein qu'on peut faire dès à présent. Participer aux consultations, on n'a plus que jamais besoin de vos retours pour savoir où on va, pour adapter notre copie, pour faire quelque chose de compréhensible, de réaliste, d'utile. Une barre trop haute, ça coûte trop cher, ça passe pas. Une barre trop basse, ça coûte moins cher, mais ça sert à rien parce que c'est contournable et donc c'est de l'argent perdu. Donc il faut trouver le juste milieu. On a besoin aussi d'un investissement collectif dans l'hygiène numérique. On le répète chaque fois, mais même sans savoir les mesures précises qu'on demandera, il est évident que des mesures de base, de gouvernance, de gestion des identités, des mises à jour, des mots de passe, enfin peut-être pas des mots de passe, si on peut s'en passer c'est mieux, mais des sauvegardes, tout ça, c'est pas nouveau, ça va pas changer, et on peut investir dedans dès à présent, et ce sera toujours ça de prix pour NIS 2. Et puis on a besoin d'un vrai travail sur les offres de produits et de services pour les adapter à ces nouvelles entités régulées. Je sais que les offreurs sont très mobilisés là-dessus. On a besoin de mobiliser aussi les futurs assujettis à NIS 2 pour avoir un vrai dialogue qui permette de calibrer ces offres. Et au-delà de ça, il y a un défi plus général qui nous concerne tous, c'est celui d'arriver à embarquer des milliers et des milliers d'entités qui aujourd'hui ne se sentent pas concernées par la cybersécurité à tort, qui vont être concernées de facto par la loi, et d'arriver à les toucher, à leur faire comprendre ce sujet et à les embarquer dans une démarche de gain de maturité. Et là, on a un effort collectif de communication, de sensibilisation. Je sais qu'on y contribue tous et je vous en remercie aussi. C'est un enjeu pour être au rendez-vous de NIS 2, mais c'est aussi un enjeu de sécurité globale et de notre sécurité à tous. Deuxième chantier majeur, c'est le CRA. Le CRA, c'est un règlement européen, donc ça, c'est d'application directe. Il n'y aura pas de travail de transposition. On va, par nature, moins en parler, mais ce serait une erreur de s'en désintéresser. C'est quelque chose qui va arriver à peu près dans le même horizon temporel que NIS 2, 2027, peu ou prou, qui aura le même côté structurant, qui sera quelque part le complément naturel et nécessaire de NIS 2. Le CRA, ça va porter des exigences de sécurité pour tous les produits numériques, y compris les brosses à dents connectées, j'aime bien cet exemple, je ne sais pas pourquoi, qui sont vendus sur le marché intérieur européen. Des exigences qui portent sur les caractéristiques des produits, avec des notions de security by design, security by default, dont on parle depuis des années concrètement, mais on l'a enfin, cette fois-ci, un levier pour rendre ça actionnable, pour en faire une réalité. Et puis des mesures qui porteront sur les bonnes pratiques de cycle de vie. La gestion responsable des vulnérabilités, la fourniture de mises à jour de sécurité gratuitement pendant une période clairement affichée, tout ça, c'est des bonnes pratiques qu'on a clairement tous en tête, mais qui sont pas aujourd'hui ancrées dans la loi, et il y en a besoin. Donc l'enjeu derrière tout ça, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de produits entre les mains d'un utilisateur qui nécessite une action de l'utilisateur pour être sécurisé, un changement d'un mot de passe par défaut, toute ressemblance avec une réalité quotidienne d'un bon nombre d'entre nous ne serait pas totalement fortuite. Plus fondamentalement, c'est de rééquilibrer les responsabilités entre les fournisseurs et les utilisateurs du numérique. Et c'est plus acceptable, ça ne l'a probablement jamais été, qu'une part majoritaire de cette responsabilité repose sur les utilisateurs finaux. D'autant plus qu'on sait très bien que ces utilisateurs finaux ne peuvent pas grand-chose face à des vendeurs qui ne respectent pas, et ça arrive encore trop souvent, leurs responsabilités les plus élémentaires. Donc c'est un enjeu important, c'est un enjeu qui va nécessiter beaucoup de travail,
pas forcément très amusant, de rédaction de standards pour porter ces exigences. Ce sera porté et coordonné par l'ENISA, l'agence européenne, mais c'est important qu'on s'y investisse dès le début aussi, là encore pour faire quelque chose de réaliste, de pertinent, de compréhensible. Et puis au-delà de ces grands chantiers réglementaires et plus généralement de la construction d'une Europe de la cybersécurité qui est devenue une vraie réalité, à tel point que là on a quelque part notre assiette bien pleine et qu'on va être bien occupé pendant les prochaines années rien qu'à implémenter ce qui est déjà sur la table, en espérant qu'on n'en rajoute pas trop. Au-delà de ça, on a toujours aussi fondamentalement besoin d'accompagner les changements de fond du paysage numérique. Dont je dirais quelques mots, alors en choisissant quelques sujets assez classiques. Le cloud, qui n'est pas nouveau, mais qui n'a pas fini de nous occuper. Les plus observateurs auront vu que c'est compliqué d'arriver à un cadre totalement harmonisé au niveau européen qui porte toutes nos exigences, nos convictions en matière d'exigences de sécurité sur le cloud, y compris d'immunité aux droits non européens. C'est compliqué. Je remercie tous les acteurs de l'industrie, fournisseurs comme utilisateurs, qui se mobilisent encore et toujours pour rappeler l'importance de ces critères, pour expliquer ce besoin. Pas à nous, parce qu'on est convaincus, mais aux autres États membres qui ont parfois besoin de l'être. Je les remercie et je les rassure. On ne peut pas forcément imposer nos vues. Ce n'est pas comme ça que ça marche, l'Europe. Mais on ne va pas pour autant renoncer à nos convictions. Donc, sur le cloud, on va harmoniser tout ce qui peut l'être. Et ce qui ne fait pas consensus, on le gardera naturellement au niveau national, dès lors que ça rejoint des enjeux de sécurité nationale. Et je vous invite à lire la FAQ qu'on a publiée sur le sujet du cloud au mois de juillet. Alors c'était un peu discret parce que c'était le début des Jeux Olympiques, mais qui réaffirme ses convictions pour les systèmes les plus sensibles et qui n'a pas vocation à changer. Deuxième grand changement de fond, l'IA. Alors là, normalement, vous avez un frisson qui vous traverse parce que c'est un sujet dont on parle tellement. C'est presque remarquable d'ailleurs et reposant qu'on n'en ait pas encore parlé de cet après-midi. Je ne vais pas vous faire un long discours sur l'IA, mais je vais vous dire ma conviction profonde qu'on a un devoir d'objectiver le débat sur la sécurité de l'IA, de le rationaliser face à des discours qui frisent parfois l'hystérie. Non, l'IA, ça ne va pas provoquer le cyber-armageddon. Ça ne va pas décupler les pouvoirs des attaquants. Ça va leur faciliter la vie comme à n'importe qui d'autre, mais ce n'est pas plus. Ça ne va pas non plus nous mettre tous au chômage en trivialisant la question de la cybersécurité, on a encore le temps. Et puis, ce n'est pas ce changement brutal, magique, auquel on ne comprend rien, qui va faire qu'on ne pourra plus apporter aucune garantie de sécurité sur quoi que ce soit. C'est souvent présenté comme ça. On a tous produit des recommandations sur la sécurité de l'IA. L'ANSSI en a encore publié un pan la semaine dernière avec nos amis du BSI. On a du travail en cours sur les solutions qui manquent en matière de certification. Donc, on n'est pas désarmé face à l'IA. Et on a un grand sommet international sur l'IA qui sera accueilli par la France en février 2025 et ce sera l'occasion de réaffirmer ce message, de rationaliser. Notre côté cartésien qui va peut-être jouer un peu. Et on aura besoin évidemment de vous pour consolider ce message. Et puis un dernier sujet qui me tient à cœur. On parle beaucoup d'IA, peut-être un peu trop. On ne parle pas du tout assez de l'ordinateur quantique, de la menace quantique, comme disent les cryptologues qui aiment bien Star Wars et qui se préparent à l'attaque des qubits et à la revanche de Shore. Ce truc-là, on ne sait pas quand ça va se produire, on ne sait même pas si ça va se produire. Mais le jour où ça se produira, ce sera, à vrai dire, la première vraie rupture technologique qui interviendra dans le champ de la cybersécurité, ce que ne sont ni le cloud ni l'IA. Et malheureusement, c'est un sujet dont il est très facile de ne pas se préoccuper tant qu'il n'est pas trop tard. Et quand il sera trop tard, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce qu'il faudra des années pour faire la migration vers des algos résistants à l'ordinateur quantique. Donc il faut vraiment qu'on remette de l'énergie là-dessus et vous pouvez compter sur l'ANSSI pour vous aiguillonner en ce sens. Donc ça fait finalement beaucoup de défis devant nous et je n'ai même pas parlé de celui des compétences qui est évident, qui nous parle à tous je pense, qui conditionne tout le reste. Ça pourrait presque être intimidant tout ça, mais moi, s'il y a bien une leçon que je retiens de cet été olympique, c'est qu'ensemble, on arrive à faire des miracles. Donc, je ne suis pas inquiet. Je serais presque tenté, c'est peut-être une bouffée d'euphorie post-JO, de conclure en disant même pas peur. Et en tout cas, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite de très bonnes assises. Merci, Vincent. Et pour conclure ce démarrage d'inauguration des Assises, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Hemel, président d'honneur de la 24e édition des Assises.
mon président. Ma chère Maria. Tu as représenté pendant 12 mois, jour par jour, la communauté pour faire en sorte qu'aux assises et au cercle et dans tous nos projets, on puisse être au cœur, dans le terrain. Voilà, dans toute cette année, on a cité les JO et JO. Alors, j'ai envie de poser une question et d'être un petit peu l'avocat du diable. Je voudrais qu'on revienne sur les JO. Oui. Est-ce qu'on en a fait un peu trop ? Est-ce qu'on en a un peu trop crié au loup ? Je pense que Vincent a excellemment répondu à cette question. C'est dur de passer après toi. qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense que c'est une question qui parle à chacun d'entre nous, parce que c'est celle qu'on reçoit du COMEX tous les jours. Est-ce que vous en faites pas trop ? Alors, c'est rarement dit comme ça. Quand il se passe rien, on va nous dire, à quoi vous servez ? Et puis, quand il se passe quelque chose, c'est à quoi vous avez servi ? Et c'est le problème classique du risque de l'assurance. Voilà. Quand on n'a pas d'incident, on n'est jamais content de payer sa prime. Quand on a un problème, on est content de trouver son assureur. Et je pense que Vincent a pas trop fait. Il a répondu avec ses équipes, avec vous tous ensemble, aux défis qui étaient posés, au niveau de risque qui avait été analysé. Et voilà, je pense que le travail qui a été fait en thèse d'intrusion pour réduire le niveau de la surface d'attaque, tout ce que tu évoquais en termes de préparation, de gestion d'incidents, de préparation à la crise, a permis que ça se passe bien. Et je pense, et on l'a vu au tout début des JO, quand on a vu des incidents à la SNCF sur les attaques physiques, sur le câblage, que s'il s'était passé la moindre chose, ça aurait été monté en épingle. Et je pense que tout le monde se serait lâché. Enfin, voilà, tu parlais d'attaque informationnelle. Je suis sûr qu'on aurait eu une série de trolls qui seraient fait un plaisir de nous démonter. Donc, pour moi, là, voilà, cette question de savoir si on en fait trop, elle revient tout le temps. Je crois même que certains d'entre nous, et je suis le premier à pouvoir en témoigner, c'est une question qui revient parfois très vite après une crise cyber. Tout le monde se dit « Ah, t'as connu une crise cyber, t'es tranquille pour 2 ans ». Non. On est parfois tranquille que pour quelques jours avant d'entendre cette question, cette première question, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Et je dirais, après tout, que c'est vertueux pour nous. C'est une chance d'expliquer ce qu'on fait, c'est une chance de sensibiliser. Et puis c'est une exigence pour nous adapter au niveau de risque. Voilà. Donc merci encore au travail qui a été fait sur les JO. Et vous tous, bravo. Revenons maintenant à cette année. Le marché de la cybersécurité donne des chiffres, on ne va pas revenir sur les chiffres, mais ce marché qui grandit, qu'est-ce qui se passe sur les budgets ? Comment tu vis ? Quelle est ta vision sur ces budgets qui ne peuvent pas atteindre des plafonds ? Alors, je pense que c'est un pendant de la question précédente, parce que dès qu'un COMEX pose la question de est-ce qu'on n'en fait pas trop ou est-ce qu'on en fait, voilà, on en revient au budget. Et j'aimerais te répondre sous 2 angles différents, un angle qui est celui du marché et puis l'autre qui est celui de l'entreprise, enfin du RSSI dans son entreprise. Je pense que le marché, en termes de marché global de la cybersécurité, il va continuer à se développer. Il va continuer à se développer parce que, comme l'a évoqué Vincent, on a la réglementation européenne qui évolue, il va falloir qu'on investisse, il va falloir qu'on réponde. Donc de toute façon, il va nous falloir des solutions de sécurité, il va falloir continuer à investir dans le sujet. Et puis, il y a tout un tas d'entreprises, d'ETI, de PME, de TPE, qui ne sont pas encore couvertes, qui ont encore besoin d'avancer. Et qui, même si elles sont toutes petites, vont tirer le marché globalement. Donc, je pense que, en tout cas, pour nos offres de solutions, il y a sans doute encore quelques belles années de croissance. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine, en tout cas. Par contre, à nos niveaux, je pense que chacun d'entre nous, quand on passe devant le COMEX, on a parfois l'impression de passer dans le presse-purée. Et on a une pression assez forte sur les budgets. Qui est légitime. La cybersécurité n'est pas forcément la préoccupation principale des métiers. La situation économique, politique, géopolitique fait qu'ils ont d'autres sujets de préoccupation. Et là encore, c'est une chance pour nous d'expliquer, de convaincre, de faire des choix, de s'appuyer sur les offreurs de solutions pour rationaliser, pour finalement faire mieux avec moins peut-être, ou en tout cas avec des coûts plus faibles. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une situation très contrastée entre un marché qui va continuer à se développer et des RSSI pour qui la pression sur les budgets va être plus forte. Et en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, si ce marché va croître, il va y avoir une grande responsabilité de nos offreurs de solutions de s'adapter à ce marché, parce que ce seront des PME, des ETI, des TPE, qui n'ont peut-être pas moyen de payer les primes, ou en tout cas les coûts qu'assument aujourd'hui les grosses entreprises en termes de cybersécurité.
Et donc, ils auront sans doute à mieux démontrer la valeur de leur solution. Bah, justement, avec les assises, tu nous as aidés, ensemble avec le comité, à intégrer beaucoup des nouveaux CISO de la communauté. Nous avons cette année 470 nouveaux sur 1500 invités. Vous les reconnaîtrez par le bracelet. Alors voilà, nous on a, enfin les offreurs ont un bracelet noir, si j'ai pas de bêtises. Oui. Les habitués des assises ont un bracelet rouge. Et si vous repérez quelqu'un avec un bracelet blanc, c'est normalement une première participation aux assises. Et dans l'esprit du fil rouge de cette année ensemble, moi, je vous invite à aller les voir, à les accompagner, à les diriger, parce qu'ils sont peut-être un peu perdus parfois dans le Grimaldi Forum. Alors même si Loïs va faire une session ou a déjà fait une session d'introduction pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller vers eux pour les intégrer, voilà, pour leur faire vivre de belles assises. Alors, pour conclure, comment t'as survécu à cette année de présidence ? Eh bien, écoute, j'ai survécu à la plénière, déjà, j'ai l'impression. et puis, bah, j'attendrai la fin de la semaine, parce que tu sais que le rythme des assises est fou, que tu m'as prévu deux, trois trucs, donc je verrai à la fin de la semaine. Après, ça a été une expérience formidable, je t'en remercie. Et puis les assises, c'est tout sauf de la sérendipité, c'est pas laissé au hasard. Il y a une équipe formidable derrière moi, que ce soit l'équipe, bien sûr, ton équipe, enfin, l'équipe d'organisation, et puis un comité de pilotage qui a l'avantage de ne pas être grabataire du tout, qui m'a accompagné toute l'année, et puis bah, que j'aimerais juste inviter à venir me rejoindre, parce qu'on a travaillé ensemble toute cette année. Voilà. Voilà. Donc, allez. Donc, venez nous rejoindre. Venez. Comme ça, on conclut en beauté cette conférence d'ouverture avec l'équipe. Voilà, parce que c'est aussi grâce à eux qu'il y a des assises et un beau programme. Voilà. Merci. Voilà. Chers amis des assises, allez travailler! Ouais, tu peux déclarer les assises 2024 ouvertes.